Ça doit être dans les mains, coup du pied, front de foot. Je dirais d'un commun accord avec les gens en place. C'était la volonté de collaborer ensemble. Je remercie aussi le Restart qui a permis cette possibilité en cours de saison. Mais voilà, j'avais une envie de relever le défi, de venir ici. Et puis de partager le premier entraînement. Donc on est parti. Avec une fonction un peu inédite, entraîneur principal adjoint, ça se voit pas beaucoup dans le... Oui, c'est innovant. Et c'est quelque chose qui est assez rare, mais je crois que ce que propose le Clermont Foot depuis quelques années est assez rare. D'accord, déjà un entraîneur en place depuis longtemps. Et c'est un honneur de le connaître aussi en dehors du foot et de collaborer avec lui. Et puis aujourd'hui, nous, on est focus sur l'objectif. Donc c'est innovant, mais l'important, c'est qu'on aille chercher ce qu'on a à chercher. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est que j'ai senti une volonté des deux côtés de travailler ensemble. Et surtout en toute intelligence, en partage. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est des vraies valeurs et on en a besoin. On n'a pas de temps. Donc la réflexion, elle a été simple. J'ai été touché par la volonté que je rejoigne le projet. Donc j'ai décidé assez vite, tout simplement pourquoi ? Parce que j'étais persuadé qu'on allait faire quelque chose de bien ici. Donc voilà, j'ai décidé assez vite. Mais ce qui est le cas dans le football aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vous le savez aussi bien que nous, mais voilà, c'est un challenge. Ça fait partie de notre métier. Qu'on gagne ou qu'on perde, on est des compétiteurs. Donc c'est un challenge et moi, ça ne me fait pas peur. À partir du moment où on croit en quelque chose, on va donner le maximum. 6, 7, allez. Ta passe, Jim, accélère là. On m'a proposé ce challenge qui m'intéressait. Même à 60 ans, j'ai envie aussi d'apprendre, de voir de nouvelles choses. Et bon, je connaissais Sébastien, on a passé une semaine ensemble déjà. Et je pense qu'on va travailler dans l'intérêt évidemment du club, c'est ce qui moi m'importe. On a cet objectif de se maintenir cette année. Le week-end dernier n'a pas été bénéfique, mais je pense qu'on a les moyens encore de se maintenir. Et je pense que Sébastien, avec un œil un petit peu neuf, va nous aider aussi. Il l'a très bien dit, là où on se sent plus à l'aise, je pense que c'est ici, c'est sur le terrain. Donc je pense qu'on a les mêmes envies, après avec chacun sa personnalité, mais avec, je pense, une réflexion sur le jeu qui est quand même assez proche. Donc voilà, puis on va apprendre aussi à se découvrir, mais on n'a pas trop de temps non plus. Donc ça a commencé, j'allais dire, tambour battant ce matin. On s'est vu, on a longuement parlé hier, et puis c'est parti. Le partage des rôles, c'est aussi quelque chose dont vous avez discuté? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, on a envie de collaborer une nouvelle fois dans l'intérêt du club. Donc, moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Avant, on faisait les compos avec le staff. On continuera à travailler avec le staff, c'est une évidence. On ne va pas se mettre dans un coin. Et puis, on a besoin de tout le monde. Donc, on va discuter comme tout le monde, comme ça doit se faire. L'avenir nous dira si c'est une bonne solution ou pas. Mais en tout cas, je pense que... Avant de commencer, c'est une bonne solution parce que ça va permettre à Sébastien, même si une nouvelle fois notre objectif principal c'est le maintien, ça va permettre de connaître un petit peu plus facilement les joueurs, il va avoir du temps par rapport à l'an prochain. Et moi je suis là pour l'aider, vous connaissez l'amour entre guillemets que j'ai pour le club, pour ce qui a été construit ensemble depuis des années. Donc voilà. Ça permettra de passer le flambeau tranquillement et puis surtout de l'aider aussi à la fois dans cette mission-là et la future mission après au club. Il y a un vrai projet qui est installé depuis longtemps et ça, on ne peut pas y déroger parce qu'aujourd'hui, autant le recrutement que l'équipe a été construite pour ça et je pense que ça, c'est une des forces par rapport à d'autres équipes de Ligue 1. C'est vraiment le fond de jeu et le projet. Mais l'idée là aujourd'hui, nous, c'est important dans tout ce qu'on va faire, c'est l'intensité naturellement, parce que dans ces moments-là, on est un petit peu plus peut-être fragile. C'est la notion de plaisir qui est très importante et la notion de coopération, de le faire ensemble. Donc de rester unis, hein, ce qui est jamais simple comme une famille, voilà, tout simplement, dans les moments où c'est plus compliqué. Nous, on doit se rapprocher au lieu de, je dirais, s'écarter les uns des autres. Donc c'est un peu notre leitmotiv et nos mots d'ordre. Allez, ça va, c'est fini. Bravo.